Ok, on se retrouve au même endroit que tout à l'heure, exactement le même point de départ. Il y a peut-être 10 minutes de décalage, entre 5 et 10 minutes de décalage, donc le soleil est toujours au zénith, hein, c'est aux alentours de midi et demi, donc ça change pas grand-chose niveau conditions. Donc si là vous arrivez sur cette vidéo et vous vous demandez pourquoi je vous dis ça, allez voir ma précédente vidéo, donc que je vous mets en fiche là-haut et qui est également en description, d'accord? Allez voir d'abord le vidéo avant de regarder celle-là, sinon vous allez rien comprendre. Donc du coup, voilà, là je suis comme tout à l'heure, hein, je fais exactement le même chemin et je vais vous parler, donc tous les réglages sont les mêmes, sauf que je suis passé en 1080p au lieu d'être en 4K. Donc là, je vais vraiment attirer votre attention sur tout ce qui est feuillage derrière moi, en particulier dans les zones un peu d'ombre, comme on va passer là au début, d'accord. Tout ce qui est un peu, voilà, tout ce qui est un peu, vous allez voir, tout ce qui est un peu épine comme ça là, tout ce qui est un peu, je m'arrête volontairement, tout ce qui est un peu là, ça, vous voyez, dès que c'est un peu du fin, dès que c'est un peu du quelque chose avec vraiment du détail, hein, du coup quelque chose qui va être très très fin, on va avoir quelque chose en général, alors c'est pas vraiment là, c'est un peu un abus de langage, mais c'est un peu comme quand vous savez, des pulls avec beaucoup de rayures assez serrées, on va avoir du moiré qui apparaît. Vous savez, le moiré, c'est quand du coup, bah, on n'arrive pas trop, la caméra n'arrive pas trop à distinguer chaque rayure et du coup elle fait des espèces de, on a des espèces de mouvements parasites, de mouvements, de faux mouvements, des motifs à cause de cette trame très fine qui du coup n'est pas bien gérée. Et là on a quelque chose d'à peu près similaire. Pourquoi on a ça en 1080p et pas forcément en 4K? En fait, pourquoi on l'a surtout sur YouTube? C'est ça vraiment, voilà la raison. Donc bon, le troisième point de filmer en 4K et non pas 1080, c'est en fait moi ma raison principale, hein, clairement, hein, je ne m'en cache pas du tout. C'est quelque chose que j'ai constaté dans mes vidéos précédentes, hein, dans mes vidéos de voyage par exemple avec la GoPro Hero 6, je vous mettrai les liens aussi dans la description, et surtout quelque chose que j'ai remarqué lors du test du Mavic Air, où je me suis rendu compte que moi, les vidéos que j'avais en 1080p sur l'ordi étaient nickel, j'avais aucun souci, et par contre une fois que je les ai exportées sur YouTube, une fois que je les ai envoyées sur YouTube, il y avait un vrai souci de bitrate, il y avait un vrai souci de compression, et j'avais des zones, en particulier dans les feuillages comme ça, où j'avais des espèces de pâtés, un espèce de moiré artificiel numérique assez dégueulasse. Pareil avec la GoPro, dans des zones d'ombre où là j'avais carrément des grosses zones, des gros paquets de pixels carrés vraiment très très visibles, très très moches dans une vidéo de voyage à Los Angeles. Et donc c'est vraiment ça qui m'a fait passer à 4K, hein, clairement. C'est en fait la compression YouTube. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça, hein. Là pareil, je vous mets des trucs, je pense que surtout quand je bouge, c'est surtout quand on a du mouvement. Là, il doit y avoir des choses derrière moi qui font des trucs assez bizarres en 1080p. Et donc oui, du coup la compression YouTube, hein, vous avez certainement déjà dû en entendre parler. C'est un vrai souci, c'est un vrai problème, c'est que YouTube, pour pouvoir avoir autant de vidéos gratuitement, pouvoir loger autant de vidéos, avoir les serveurs du coup pour stocker ces millions de vidéos, hein, vous savez, je crois que c'est 1000 vidéos à la seconde, même peut-être même plus qui sont uploadées en permanence sur YouTube, donc c'est vraiment énorme, hein. Bon, écologiquement c'est une catastrophe aussi, mais bon, ça on va pas en parler, et du coup, pour pouvoir avoir ça, évidemment, YouTube essaye d'optimiser au mieux son espace de stockage, et pour ça, il compresse, il a des algorithmes de compression pour compresser les vidéos pour que ça prenne le moins de place possible. Donc du coup, typiquement, en fait, on a un tableau avec les bitrates. Donc les bitrates, si vous ne savez pas, c'est les débits de données, c'est le nombre de mégabits par seconde, mégabytes, pardon, mégabits ou mégabytes, mégabits par seconde, le nombre de mégabits par seconde, non. Si, le nombre de mégabits par seconde, pardon, les débits de données sont en mégabits par seconde dans les vidéos, qui du coup sont rentrés dans la vidéo pour pouvoir avoir les informations. Et évidemment, plus vous avez de mégabits par seconde, plus vous avez une quantité de données importante dans votre vidéo, bah, plus vous aurez des détails, plus vous aurez en fait une vidéo, oui, de qualité, détaillée, d'accord? Le problème, c'est que du coup, YouTube, lui, a une politique évidemment de compression et il nous les donne. Il nous donne les débits, donc je vous les donne, hein, je vous les montre, je vous les fais apparaître sur la vidéo. En gros, pour de la 4K, donc de la 4K standard, on est sur du, donc de la 4K standard 24 fps, pas HDR, pas en haute fréquence, d'accord, donc 24, 25, 30 fps, on est sur du 35 à 45 mégabits par seconde. Donc c'est pas beaucoup, sachant que moi, par exemple, là, même sur l'Osmo Action, en 4K, je filme en 100 mégabits par seconde. Vous voyez que là, déjà, en débit de données, on divise par plus de 2, d'accord. Pour donc la 1440, on va le chanter, c'est, allez, la 1440, il est en 16 mégabits seconde, donc du coup vous voyez, bah ça réduit pas mal, hein, de suite, et en 1080p, attention, tenez-vous bien, on est à 8 mégabits seconde. Donc autant vous dire que quand vous filmez en 1080p sur votre boîtier à peut-être, je sais pas, 60 ou même 100 mégabits seconde, je sais pas trop, hein, à combien on filme sur des bons boîtiers, et bien de toute façon vous allez réduire votre débit en gros par 10, hein, gros sommaire d'eau, hein, peut-être un peu moins, mais voilà, on va dire ça pour faire un peu grossier, pour grossir le trait. Donc évidemment que ça va mal se passer, ça va mal se passer, et c'est un vrai problème.
C'est un vrai problème et c'est pire que ça. Parce que moi, du coup, donc justement, là, je fais exprès. Là, cette vidéo que vous regardez, c'est une vidéo du coup que je vais monter, d'accord, et je vais exporter dans le bitrate qu'il demande. Parce que justement, j'ai constaté que de toute façon, si on l'exporte dans un bitrate plus important, à la limite, la compression qui est faite derrière par YouTube est limite pire. Donc, on va vérifier ça. Justement, donc cette vidéo-là, je voulais uploader en ayant fait ma compression de mon côté avec le bitrate que YouTube conseille et l'envoyer comme ça. Et je vous envoie, je vous mets le lien en fiche et également en description de cette même vidéo, je vais rien dire de plus. C'est juste que du coup, moi, je l'aurais exporté dans la qualité maximale que je pouvais sur mon logiciel de montage, donc Vidéo Pro X, et je l'enverrai à YouTube de la même façon. Et on va voir si les algorithmes de YouTube dans la compression vont faire plus du caca que ce que j'avais eu moi avec le... ou si ça va être pareil. C'est possible que ce soit pareil, je ne me rappelle plus trop, mais je sais que j'avais fait le test. Et mon test, c'était que de toute façon... Oui, je crois que mon test, c'était qu'au final, ça revenait au même et que du coup, ça ne servait à rien de s'emmerder à essayer d'exporter une grosse vidéo assez lourde avec un haut bitrate parce que de toute façon YouTube derrière elle a l'air compressée comme je l'aurais fait dans mon logiciel et du coup autant pas s'emmerder pour exporter un gros truc. Je vous rappelle, moi j'habite, j'ai un avion au-dessus, je suis désolé. Moi je vous rappelle, j'habite dans le sud de la France à Sainte-Marie et j'ai une connexion internet de merde et du coup je vraiment si je peux éviter d'avoir uploadé des gros trucs, j'évite d'avoir uploadé des gros trucs. Hein. Donc vous voyez, malgré ça, je préfère quand même filmer en 4K. C'est bien que je me fais chier volontairement, hein, d'accord. Donc voilà, ça c'était vraiment la troisième raison, c'est en fait comment vous allez, donc ça encore une fois évidemment c'est pour mon cas personnel à moi. Moi du coup je fais des vidéos que je upload sur YouTube, donc c'est vraiment, moi mes vidéos sont vues sur YouTube, elles sont pas vues à la maison, elles sont pas vues sur vidéoprojecteur, elles sont vues sur YouTube. Donc du coup moi je veux avoir quelque chose de la meilleure qualité possible et vous c'est juste vos vidéos de vacances que vous regardez vous sur votre écran ou que vous envoyez par je sais pas WeTransfer ou un drive, des choses comme ça. Évidemment, vous faites pas chier, si de toute façon Tata Janine elle a qu'un écran 720p, évidemment filmer en 1080 ça sera beaucoup plus facile, mais il n'empêche qu'à partir du moment où vous voulez diffuser vos vidéos, il n'y a pas 36 000 plateformes. On peut parler de Vimeo, mais Vimeo je crois que c'est maintenant 5 gigas de données totales gratos, et après faut raquer 5 ou 10 balles par mois pour avoir 50 gigas, ce qui est ridicule. Moi sur une vidéo 4K, je suis vite à, malgré la compression, je suis vite à dans une dizaine de gigas, vous voyez, donc je upload 5 vidéos par mois et déjà je suis sur mon quota. Donc moi clairement c'est pas mon but, hein. Je vais pas payer pour ça quand YouTube offre un service qui est quand même exceptionnel.